en faveur de Horta, 6e en faveur de Salman, 7e, 8e, égalité pour moi. Début de la 8e reprise. Et dans le coin du champion de France, il va demander, on lui a dit, hein, il est moins bien physiquement maintenant. Il est moins bien, mais il est toujours aussi dangereux. Ouais, et aussi dense là. Et on, oh là, et dans son attitude, il a peut-être récupéré physiquement là. On va le savoir. De sur mesure que ses secondes s'égrènent. On vous le disait, on vous parlait d'un grand championnat du monde. D'un grand ce n'est qu'un championnat de France. Mais on se guillemets quand on dit ce n'est que. C'est vrai. C'est vrai ce que le font tout le monde. Alors c'est magnifique, ils font honneur à leur sport. Et nous sommes ravis maintenant depuis quelques semaines de vous proposer avec Jean-Claude et Nicolas Rodkoff ces belles soirées. Les nombreuses d'entre elles sont proposées par Gérard Tessereau et Antoine Montero, qui n'est pas là Antoine, on le salue. Il a une petite baisse physique. Il faut savoir, mais il est costaud l'ancien champion d'Europe. Double champion d'Europe. Bravo. C'est pas joué, c'est pas cher. Vitesse, il a vitesse et les montants sont solides. Vitesse, puissance, elle a en vitesse. Ah, c'est bien. Oh, il lui perd 3, 4, 5, 6. Terrible, la ressortie qui est en difficulté dans ce milieu de reprise, c'est dur. Quelle préparation. Et heureusement qu'ils sont au top physiquement. Bien sûr qu'ils sont pas les plus chers. La ressortie est aussi terrible. Il perd une force incroyable du champion de France. L'accélération est. Brutal. Encore une minute, il est long sur route pour le challenger dans ce 8e round, il est long. Quelle dimension physique. Aucun des deux boxeurs ne veut céder, mais Alain Short est en difficulté. Il vient prendre la crochet droit encore. Il souffre, c'est terrible maintenant. Le challenger climat, le challenger à balle. Attention, son crochet gauche, il n'en peut plus. Il peut être arrêté, Jean-Claude. Il n'y a pas de compte debout. Il n'y a pas de compte debout. S'il est lucide, il peut mettre un genou au tapis. S'il est lucide, il ne veut pas céder. Il est encore là. Extraordinaire. Nous sommes en direct sur ma chaîne Sport. L'arbitre attentif. L'arbitre peut arrêter. Ou alors, Aaron Shorta met un genou demi pour récupérer. Il ne cédera pas le challenger. Mais il est mal. C'est bien évité sur les talons. Et Salmon qui poursuit. Incroyable. Il faut avoir les triples. Hein. Il quel faut combat avoir les triples. Deux. Et c'est lui qui finit fort maintenant. Aaron Shorta qui récupère. Salmon. Accéléré, incroyable, l'effort qu'il vient de faire sur 1 minute 30 et cette série du percuté de crochet à Rochorta, marqué, laminé, je ne dirais pas détruit. Allez, 5 secondes. Il n'est plus beaucoup lucide. Hein. Non. Oh que c'est dur, oh que c'est dur, que les deux boxeurs sont grands. Rochorta est un grand champion, Salmon également, bravo messieurs. Quel championnat de France. La France est tout gratuit, ça a l'air de rentrer, bordel.